fais pas de café ici. Oui, ok. Thank you.
tout ce qui se passe actuellement devant le ministère de l'Éducation nationale. On travaille sans arrêt. Mais c'est ce que je dis à chaque fois que les journalistes les plus neutres me posent la question. On travaille nuit et jour. Par rapport au protocole sanitaire qui a été annoncé il y a plusieurs semaines, quelle est la réalité du terrain par rapport à vous, professeur, ou l'éducation du corps éducatif? Écoutez, ceux qui ont envie de travailler, travaillent. Les autres, c'est leur responsabilité. Que pensez-vous des 75% de grévistes qui se sont déclarés la semaine dernière? Moi, je n'ai jamais vu 75%, j'ai vu 38%. Et la manifestation qui est interdite demain, votre point de vue? Eh bien, ça prouve la désorganisation de ces gens. Selon vous, la situation sanitaire dans les écoles est pratiquement gérée par le gouvernement? Mais nous y travaillons jour et nuit. Jour et nuit, je vous réponds à cet instant. Pensez à l'heure qu'il est avec le décalage. L'heure qu'il est, non, nous travaillons sans arrêt. Et que répondez-vous concrètement à ceux qui vous disent que l'éducation nationale est abandonnée sur le terrain? Écoutez, je travaille jour et nuit avec mes collaborateurs, je ne laisserai pas dire ça. Et heureusement, je compte sur les journalistes les plus neutres d'Alana Canavana pour organiser des débats pour expliquer la situation. Je vous laisse sur toutes vos questions agressives. Yeah.
sais pas, ils ne comprennent pas ce que c'est le travail, mais j'espère bien qu'ils vont vite apprendre. C'est vous qui les avez appelés, les CRS? Ah non, non, mais c'est sans doute qu'ils ne connaissent pas bien ma manière de travailler. Et pour les écoles. Trop bossé quoi. Quand tu veux. Allez, l'avion part bientôt. On va se reposer là. L'avion part bientôt. Prends ton numéro pour une soirée, franchement.